est parti! Hello à toutes et à tous! Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça lag pas trop? Hello Thomas! Trop contente de te voir par ici! Coucou! Hello Anne! Hello Elvire! Est-ce qu'il y aura un replay? Putain, c'est la première question dès qu'on arrive! Je pense que oui, il y aura un replay. On teste un nouveau format encore aujourd'hui, parce qu'on aime bien tester des nouvelles choses tout le temps, H24. Donc si ma connexion internet... au top, on m'entend bien. Si la connexion internet marche bien et que mon ordinateur tient bon, normalement oui, il y aura un replay après. Je vais vous expliquer très rapidement le concept du live d'aujourd'hui. Donc j'ai décidé de faire un live spécial inbound marketing parce qu'en fait j'avais un format que je faisais avant et qui a beaucoup plu, c'était les permanences communication éthique. Donc en gros c'était 30 minutes tous les mois, oui c'est ça, tous les mois 30 minutes d'appel avec 5 personnes et du coup on résolvait leurs problématiques marketing du moment. C'était principalement pour les projets ESS, donc de l'économie sociale et solidaire. Et sauf qu'en fait, je me suis remarqué que tous les conseils que je donnais à ces personnes pouvaient très bien être utiles à plein d'autres personnes. Parce qu'en fait, je me répétais souvent, c'était souvent les mêmes conseils en fait qui revenaient un peu. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer sur ce format live et interactif. Du coup, vous êtes bien entendu les bienvenus si vous voulez réagir dans le chat, donner des conseils vous aussi, ou donner votre avis. Enfin voilà, vous êtes les bienvenus. Toujours dans la bienveillance, soyez pas stupides s'il vous plaît. ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que j'ai trois personnes qui vont venir et qui vont présenter leur projet très rapidement parce qu'on a que 25 minutes. Je vais essayer de faire le mieux possible. Bien entendu, on pourra dépasser de mon côté, il n'y a pas de souci. J'ai rien de prévu à midi et demi après, donc c'est tout bon, vu qu'on a dépassé déjà la dernière fois. Mais voilà, donc on a trois personnes qui vont venir, on a Elvire, Jérôme et Anne qui vont nous présenter leur projet rapidement et leurs problématiques marketing du moment. Donc vous verrez, ça tourne beaucoup autour de la stratégie digitale, donc forcément. Et du coup, on va parler d'inbound marketing particulièrement. Voilà, pour les personnes qui viennent sur Jérôme, Anne et Elvire, pensez bien à couper votre cam parce que je ne sais pas si mon ordinateur va tenir bon. Et je crois que j'ai tout dit. Ah si, et quand même, on fête l'anniversaire de ma sortie de ma formation Inbound Marketing. Donc, vous voyez, tout se recoupe, notamment aussi parce qu'en fait, je voulais faire un contenu et je voulais faire quelque chose de spécial parce qu'il y avait d'un côté l'anniversaire de la sortie de ma formation Inbound Marketing et la journée mondiale anti-pub. Donc, ça se connecte, il y a un lien. Donc voilà, pour l'occasion, je lance une promotion spéciale, donc je pourrais vous donner le lien, si vous le souhaitez, dans le chat, où je mettrai à jour la description quand la vidéo sera sortie. Et du coup, on va pouvoir y aller. Bon anniversaire à la forma. Merci. Parce que pour le coup, ça a vraiment été la plus longue, ça a été la plus... Je pense que ça a été la plus dure à créer. Ça a été sincèrement la plus dure à créer parce que ça a pris un temps fou. C'est ma plus grosse formation, elle fait 6 heures. Enfin, j'ai tout mis dedans. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, tout ce que je savais, tous les outils que j'utilise. Enfin, il y a tout dedans. Donc Elvire, si tu es prête, parce que je pense que tu es déjà prête, je vais essayer de te rejoindre sur la conférence. Et n'hésitez pas si vous avez, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, Alors je vais couper par contre la caméra parce que sinon... Tac. Elvire, pense bien aussi à couper le live le temps qu'on fait la réunion parce qu'il va y avoir un petit décalage puis sinon tu vas avoir de l'écho, enfin ça va pas être sympa pour toi. Tac. Ok. Ok, alors Elvire, est-ce que tu peux nous parler et les personnes dans le chat, si vous pouvez me confirmer si vous l'entendez ou pas. Bonjour, est-ce que l'on m'entend bien? Normalement j'ai coupé la vidéo, donc... Oui, c'est tout bon. Je ne devrais pas faire d'écho. Est-ce que Thomas ou Anne qui étaient dans le chat peuvent me dire si on entend Elvire ou pas? Elle a parlé. Oui. Super.
Un live sans accro technique, mon Dieu. Merci. Ah, un chouïa faible. Alors ça, je peux le régler. Je pense que c'est moi. Je pense que c'est moi parce que j'ai... Ok, je l'ai augmenté. Donc c'est... Moi, j'ai baissé un petit peu de ton son pour éviter qu'il sorte dans mon micro. Également. Ok, j'ai monté le son de Elvire, donc normalement, là, ça devrait être un peu mieux. Okay. Mieux. Vous me direz dans le chat si c'est correct ou pas. Much better. Yes, parfait. Eh bien, écoute, je te propose que tu nous présentes ton projet et je vais donc très rapidement, donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais, sachant que du coup, on a 25 minutes ensemble pour faire le plus possible. Dans le chat, vous n'hésitez pas, si vous avez des avis, des conseils, des réflexions, n'hésitez pas à partager et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, allez-y. Et moi, je vais essayer d'ouvrir le lien que tu m'avais donné. Écoute, je vais reprendre ma charte éditoriale que j'avais construite pendant ta petite formation, ça me semble bien, pour pas me perdre, pour présenter. Mais brièvement, donc, je suis principalement photographe et vidéaste de mariage, donc je travaille principalement pour des... Enfin, mon persona principal, ce sont des futurs mariés. Dans mon petite charte édito, j'avais mis une petite phrase en objectif de com, qui était raconter l'unicité et l'universalité de l'amour que chacun a et reçoit pour ses proches. Qui englobait aussi d'autres choses, parce que je ne fais pas que du mariage, je fais aussi de la famille et de la formation pour d'autres photographes. Et ma problématique du moment, celle dont je voulais parler, donc suite à ta formation, j'ai mis en place des lead magnets, notamment au premier trimestre, je devais mettre en place le lead magnet mariage, donc pour mon persona principal. Et j'avais prévu au deuxième trimestre de faire le lead magnet pour l'aspect formation. Et troisième trimestre, le lead magnet famille. J'ai pas encore commencé le deuxième. Et par contre, j'ai effectivement lancé le premier comme prévu. Et donc, je me disais que ça pouvait être sympa de faire un point ensemble sur ce premier lead magnet, voir ce que j'ai mal fait, ce que j'ai bien fait, ce qu'il faut que je change pour le prochain, ce qu'il faut que je change sur celui-là pour qu'il soit plus performant. Enfin, voilà, faire un petit point là-dessus. Donc là, le lien, je suis revenue sur ton live, le lien que je t'avais envoyé, c'est du coup la page de vente, entre guillemets, du lead magnet, du premier lead magnet qui est déjà en place depuis quelques mois. Ok, voilà. Donc ça, c'est le lead magnet dont tu aimerais qu'on parle. Ouais, c'est ça. Ok, voilà. Ok, très bien. Et du coup, là, pour toi, il performe bien, il te ramène du monde, on en parle, il y a des téléchargements. J'ai des points positifs, des points négatifs. Ah, pardon, mon petit ordi est en PLS. Je t'avais fait un petit truc, je reprends ce que j'avais noté. Et si je peux me permettre, c'est pas, je pense pas qu'en termes d'accessibilité, ça passe très très bien cette petite phrase. Je pense que la police est peut-être un tout petit peu trop fine. Laquelle ? Sur le fond jaune or, la police doit être un petit peu trop fine en termes d'accessibilité pour les personnes qui ont augmenter, ouais. Enfin, l'épaissir. Ouais, je pense. C'est juste une petite aparté. Ouais, ouais. Et non, je profite d'une autre aparté pendant que tu recherches tes notes. C'est la formation Inbound Marketing que tu avais suivie, c'est ça ? Oui, Inbound Marketing Éthique. Alors, je ne l'ai pas suivi sur ta plateforme à toi. Ouais. Je l'ai suivi sur site. Mais parce que du coup, j'avais regardé. En fait, j'ai regardé un petit peu hier quand même, parce que j'étais curieuse. le contenu dupliqué, on pourra en parler si tu veux. Je te ferai un mail pour t'expliquer en SEO, donc en référencement naturel. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais regardé tes pages en me demandant est-ce que tu avais pris le temps d'écrire une page différente pour chacune de ces villes. Parce qu'en fait, le contenu dupliqué, c'est un truc qui est mal vu en SEO, dans le sens où. Généralement, si tu as 30% de ton contenu qui est le même partout, et ben Google va considérer que tu fais pas du contenu de qualité parce que c'est juste tu as pris quelque normalement, chose. Normalement, il est semi-personnalisé sur ces pages-là. Donc il y a une partie qui est copier-coller et une partie qui est différente. Voilà. Et dans l'idéal, si je sais que ça prend du temps et que c'est énormément de travail, mais dans l'idéal, si tu arrives à le faire le plus personnalisé possible, ce serait top. Donc les points. Du coup, les points positifs et négatifs que tu avais en tête. Donc, j'avais noté, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur la qualité du contenu. Les quelques personnes qui l'ont suivi ont vraiment été très très satisfaits. J'ai mon
mon automatisation fonctionne dessus, donc c'est voilà, j'ai rien à faire. Les mails partent comme il faut, j'ai pas de soucis. Donc ça, pour moi, c'est un point positif parce que c'était la première fois que je gérais des emailings qui partent automatiquement et tout ça, je savais pas faire. Donc ça, pour moi, c'est une réussite. J'ai eu aussi quelques partages spontanés par des personnes qui se sont inscrites, soit qui l'ont fait, qui ont vraiment suivi, soit qui ont téléchargé, enfin qui ont les mails dans leur boîte mail et qui ont dit bah voilà, moi j'ai fait le truc, ça a l'air vraiment quali et tout, mais je suis pas encore là dans ma préparatif, donc j'ai pas encore vraiment suivi le contenu, mais vraiment ça a l'air cool, allez-y quoi. Donc j'ai eu quelques parties comme ça spontanées des gens, donc je considère que c'est que ça doit être le contenu en lui-même, je pense, ça a pas forcément besoin de grand chose. C'est plutôt la page de vente. Ouais, j'ai eu du coup 30 personnes inscrites. Je t'avais mis 29 hier, mais j'en ai eu une dans la nuit. Donc j'ai eu 30 personnes inscrites depuis le lancement. J'ai en fait un peu de mal à me rendre compte. En termes de taux de transformation et tout, j'ai un peu de mal avec les notions de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, les nombres que j'ai. Donc j'ai eu 192 personnes qui sont passées sur la page de vente. J'ai eu du coup 30 personnes qui sont allées au bout de l'inscription globale. J'ai eu quelques abandons en cours dans le sens où c'est 8 mails du coup mon lead magnet. J'ai fait un stop à 4 mails pour me dire si les gens ils ont moins de tant de pourcentage d'ouverture de clics et tout, je leur envoie pas la suite. Et pour la suite, il y a un petit truc dans le mail qui dit si ça t'intéresse toujours, renvoie-moi un petit mail et je te renvoie la fin du workbook. Que je voulais éviter de polluer ma boîte mail avec des mails non. C'est une bonne idée. Je vais te donner deux, trois trucs auxquels je pense avant que j'oublie, parce que j'ai tendance à vite oublier. C'est bien de commencer court en général. Donc peut-être que, si je comprends bien, tu as 8 emails, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Peut-être que ça fait effectivement beaucoup pour un... Je comprends la notion et ce que tu as voulu faire, et c'est une super idée, c'est vraiment une très bonne idée. Mais en général, les cours par email, on va commencer par... pour un premier contact, j'entends, on va commencer par quelque chose d'un peu 3, 4 emails, quelque chose comme ça. Parce que comme tu le dis, après, on risque d'avoir un peu plus d'abandon. Ça, on peut en reparler juste après, si tu veux. Donc peut-être que ça vaudrait le coup de réduire un petit peu ce... soit le... Après, il y a vraiment beaucoup de contenu et c'est... Je crois que tu parles en même temps. Je vois ta bouche bouger, mais j'entends plus ta... Ah, ou alors c'est le décalage avec le live. Ouais, il y a un décalage avec le live. Ouais, du coup, j'étais partie en mode... Mince, je crois que j'ai un peu... donc, qu'est-ce que j'étais... Ouais, en fait, ça, c'est un recyclage de quelque chose que j'avais déjà produit. Et ça représentait 3 articles de blog de 3000 mots chacun. Ok. plus un énorme Excel à remplir et tout, donc en fait c'est vraiment difficile à réduire plus. Après les abandons, je sais à quoi ils sont dus en fait, parce que du coup j'ai eu des retours dans les partages et tout de gens qui ont dit moi je me suis inscrite parce que je voulais être sûre d'avoir le contenu, je voulais pas que le contenu se barre et tout, qu'il soit plus dispo ou machin, mais en fait j'ai pas encore fait ma demande en mariage je pense que c'est beaucoup d'abandon de ce type-là, et j'en ai parlé aussi avec une amie qui part faire le tour du monde. Elle m'a dit en fait moi le tour du monde ça fait 8 ans que ça me travaille, et en fait j'ai moi téléchargé des contenus gratuits et tout il y a 8 ans, et là je suis en train de les lire, de travailler dessus et tout. Donc je pense que c'est quand même un comportement sur les projets à long terme, comme c'est le cas ici où c'est de l'accompagnement de projets long terme. Je pense que c'est un comportement qui est assez compréhensible, en fait, ce truc de je m'inscris parce que ça m'intéresse, mais j'en suis pas encore là dans mes réflexions, et je veux pas me polluer la tête avec trop de questions et de choses à faire. Ok. Donc, et l'intérêt à peut-être le diviser en plusieurs lead magnets pour que du coup ça ramène un peu plus de monde, parce que j'ai l'impression qu'à t'entendre et à voir le contenu, il y a beaucoup de choses, et que limite ça en ferait un contenu entier, plusieurs contenus, ou un contenu entier payant en fait. Limite avec tout ce que tu donnes dedans, parce qu'il faut pas se mettre trop la pression à vouloir tout donner en fait. C'est des contenus gratuits déjà, donc tu fais ça bénévolement. Pas mon cœur de métier en fait. Là je suis sur des conseils où je suis pas pro là-dessus. Moi je suis photographe, je suis pas organisatrice, donc je veux pas non plus. L'idée c'est de capter les clients, enfin les prospects, avant à leur recherche de photographe, pour que en fait, parce que moi ma clientèle c'est assez compliqué, elle est assez compliquée à toucher, parce que ma clientèle c'est des gens qui ne s'aiment pas en photo, qui n'aiment pas prendre de photos,
et qui vont et qui ne veulent pas passer leur temps à faire des photos pendant leur mariage. Donc en fait, leur première idée, c'est je n'aurai pas de photographe à mon mariage. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Et en fait, c'est des gens qui vont se servir de leur mariage comme moi je l'ai fait. Comme un premier pas de se dire « Ah, mais en fait, si, mon histoire, elle mérite d'être racontée, et surtout, j'ai envie d'avoir des souvenirs de mes invités. » Et ça, en fait, ils ne savent pas que ça existe, des photographes qui font ça. Donc, pour moi, ce lead magnet-là, il est vraiment là pour être tellement en amont qu'ils n'ont pas encore trop ancré leur idée de « je ne vais pas prendre de photographe okay. ». Et ils savent que j'existe, mon contact. Et derrière, moi, ce que je cherche à leur vendre, ce n'est pas de l'organisation de mariage. Oui. C'est mes prestations. De... Okay. Donc... voilà, mais après, gros contenu et tout ça, mais... Seul truc que j'avais peur d'oublier et que je voulais rajouter, c'est que du coup, peut-être, est-ce que ça vaudrait le coup de mettre un peu plus en avant le bénéfice que va apporter ton lead magnet. Donc, la photo, oui. Là, elle est très jolie, elle est très très belle, mais peut-être que ça vaudrait le coup de mettre peut-être en forme, on appelle ça des mock-up en français, je sais pas ce que c'est, des templates, enfin, une mise en situation, en fait, de ton document. Donc, par exemple, tu sais, quand tu vois des livres avec la photo du lead magnet sur le livre, oui. Avec une belle photo, bon, ça, les photos, tu devrais savoir faire, mais avoir quelque chose d'un peu plus tangible et concret. Du moins, c'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu la landing page, en me disant « Ok, je ne comprends pas instinctivement ce que c'est et ce que je ouais. vais y gagner. » Et je te parle de, quand je regarde en un coup d'œil, bien sûr que je suis intéressée, je vais y passer un peu plus de temps, je vais lire, etc. Mais ça voudrait... J'ai fait des vidéos dans le lead magnet. Du coup, il y a des vidéos de d'explication de comment fonctionne le fichier Excel, qui est le gros point. Est-ce que je peux peut-être faire un extrait de ce petit truc-là pour que les gens visualisent vraiment le contenu le plus... Alors, je te dirais de mettre un bout de la vidéo si c'était un contenu payant, parce que là, ça vaudrait le coup et tu montrerais de la qualité. Enfin, voilà, ça, tu le mettrais beaucoup en avant, etc. Là, je te conseillerais peut-être plutôt, vu que c'est un contenu, encore une fois, gratuit, que ce n'est pas ta spécialité, etc., de peut-être juste faire une capture d'écran de toi qui explique le Excel. Et du coup, là, effectivement, j'ai du concret. Je vois que je vais avoir un tableur. Je comprends à quoi ça va m'aider. Ouais. Et puis surtout, en termes de SEO, c'est plus intéressant si on a... je rattache toujours au référencement naturel, donc le SEO. Si tu as du contenu explicatif autour de ça, c'est plus intéressant que la vidéo. Où, du coup, la vidéo n'est pas encore lue à l'heure actuelle par les moteurs de recherche. Mais du coup, peut-être mettre... De mes vidéos d'explication à un moment où je fais pas une tronche trop... tu recoupes, tu rognes. Mais du coup, je pense que tu pourrais gagner là-dessus à retravailler peut-être l'aspect plus visuel, parce que le contenu a l'air vraiment chouette. Et tu vois, démarre l'aventure avec nous. Bon, là, j'ai l'impression que je vais aller signer pour travailler avec toi. Peut-être que il faudrait plutôt orienter ça... fais ton budget de mariage, je sais plus, parce qu'en plus je crois que tu m'avais dit, j'avais donné l'exemple du photographe de mariage dans la formation justement, donc je sais plus si j'avais donné un meilleur exemple de titre pour ces lead magnets, mais peut-être que ça peut valoir le coup, tu vois, de retravailler pour que immédiatement je comprenne mieux ce à quoi concrètement est-ce que moi ça va me servir en tant que cible idéale pour toi. Et après, ça va être tout un travail de com pour attirer le plus de monde possible. Tu parlais de transformation tout à l'heure. On estime qu'un bon taux de conversion, c'est entre 2-3%. Okay. Le problème, c'est que ça veut tout et rien dire. Et le mieux, c'est de se comparer en fait, soi-même. Quoi. Donc si tu as plusieurs lead magnets, tu vas pouvoir te dire « Ok, celui-là, il est à 10%, celui-là, il est à 0,5%. » Effectivement, c'est 0,5% qui est moins bien et je pourrais atteindre 10%. Ce genre de choses. Je te dis 10%, mais c'est... Oui, oui. En exemple. Voilà. Oui, tu pourrais être à 0,3 et l'autre à 0,9. Bon, ouais. Voilà, tu comprends ce qui marche et ce qui marche moins bien. Ouais. Mais après, ouais, ça va être un gros travail de com autour de ton contenu. Donc, ça veut dire faire des articles de blog, vu que tu en as déjà fait, pour rediriger là-dessus. Quand tu fais des lives Twitch, parce que du coup, j'ai compris que tu faisais des lives Twitch, ou si tu fais des vidéos ou même des stories Insta ou des choses comme ça, c'est rediriger. À chaque fois que tu fais un contenu, essayer de rediriger vers un de tes lead magnets. Ouais. Ça, c'est la clé. Ouais. Et du coup, ça veut dire peut-être faire des contenus pour rediriger tes lead magnets. Donc, ça veut dire faire des contenus... Et du coup, sur le premier trimestre, j'ai organisé mon planning édito pour avoir des articles qui ramenaient vers ce lead magnet-là. Et il faut continuer. Et c'est ça le problème.
c'est que régulièrement, il faut faire des relances. Si tu vois qu'il y a des posts, par exemple, si tu fais des posts réseaux sociaux, bon, pas sur des trucs fixes où ça reste comme Insta, mais tu vois, par exemple, LinkedIn ou des choses comme ça, où du coup, c'est un fil et après, ça disparaît, entre guillemets. Bah, tu peux relancer. Si tu vois que tu as un post qui marche bien, tu fais un copier-coller et tu le relances régulièrement. Donc, pas tous les jours, hein, on fait dans le bon sens, hein, mais tous les ans, tu peux relancer ton contenu qui marche bien pour reparler de ce contenu-là. Ou tu peux même faire ton top. Ça, c'est un truc que j'ai vu et qui est une très bonne idée, de faire un post mes meilleurs lead magnets. Enfin, bon, tu ne vends pas ça comme ça, mais mes meilleurs documents gratuits pour vous aider. Et du coup, tu mets ton top de lead magnet que tu auras. Ok. Est-ce que ça t'a donné quelques pistes? Je réfléchissais à... Ah oui, j'avais un questionnement sur les tests, les changements à faire. C'était un truc que j'avais pas forcément trop su mettre en place au début, là, quand j'ai terminé ta formation. Tu parlais de tests statistiques. Enfin, je crois que c'est peut-être sur la formation Matomo, du coup, ça. j'ai fait les deux, donc... Mais ouais, sur le suivi, quand tu fais des modifs sur tes pages, genre là, par exemple, si je vais changer mon image du début pour mettre ma tronche et puis le document, ainsi que le démarre l'aventure avec nous que je reformule autrement, est-ce qu'il faut que je change les deux en même temps? Est-ce que je change l'un après l'autre? Et à quel rythme? Combien de temps il faut laisser quand on fait des changements pour voir si ça a un impact ou pas? Je suis un peu perdue. C'est une très bonne question, excellente question. Alors, il faut savoir que du coup, quand tu vas faire des changements, ça va avoir un impact en termes de SEO, toujours. Donc ça, par contre, les impacts SEO, donc on n'a pas de truc très très fiable, et ça peut être dans 3 mois comme dans 6 mois, tu auras des résultats, donc ça va être compliqué. Par contre, voir l'impact que ça va avoir sur tes visites, je pense qu'il faudrait que tu regardes en termes de nombre de visites. Il y a des choses qui existent pour faire... Je crois que c'est un WordPress que tu as, hein, ton site. Il y a des plugins qui existent pour faire du test AB aussi. Je crois que j'en parle dans la formation Inbound, mais pas la formation Matomo. Ça te parle ou pas, le test AB? Ouais, c'est possible. J'avais pas trop regardé. En gros, un test AB, tu as ça dans quasiment tous les leviers marketing, du web marketing. Donc pour les sites internet, pour les pubs, ads... donc les pubs réseaux sociaux ou Google Ads et les newsletters, donc les titres de newsletters typiquement, en fait, le logiciel va envoyer une version différente aux personnes, et derrière, toi, tu vas pouvoir savoir, ok, cette version-là a mieux performé que cette version-là. Donc j'envoie un email avec titre A, titre B, ça envoie une partie à ta base de données, donc je sais pas, 50% de ta base de données reçoit ces deux emails, et après, le logiciel de mailing va choisir le titre qui a mieux le marché, et il envoie ça au reste de ta base de données. Et ben, tu peux avoir la même chose sur ton site. Moi, je ne l'ai pas fait. J'avais travaillé dessus il y a fort longtemps, donc je pense que le plugin n'existe plus depuis le temps. Mais tu peux avoir cette solution-là pour tester ton contenu et voir... Comment ça marcherait concrètement? Parce que là, moi, j'ai une data... Enfin, mes data, j'ai la vue de la page, le nombre de vues sur la page que j'ai via Matomo. Et j'ai le nombre d'inscriptions sur mon lead magnet que j'ai via mon truc d'envoi de mail, donc MailPoet. Mais là, du coup, si je fais deux versions de ma page qui s'affichent à des personnes différentes, alors, comment je peux savoir c'est si tu le fais manuellement. Mais comme je te disais, il y a des plugins qui existent sur WordPress. Mais le problème, c'est que, comme je te disais, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dessus, donc je ne sais plus comment ça marche. Ils vont avoir l'information du nombre de clics, par exemple, Le nombre de vues, le temps de... Faut que tu regardes en fonction des plugins. Là, j'ai pas de nom à te recommander, parce que, comme je te dis, ça fait trop longtemps. Donc je ne veux pas recommander un truc que je ne suis pas sûre. Mais tu peux avoir cette solution-là. Après, sinon, ça peut être du test aussi auprès de ta clientèle, ou si tu as des amis autour de toi qui sont concernés, etc. Tu leur montres les deux versions de la page, tu leur demandes ce qu'elles préfèrent. Donc ça, c'est la version très manuelle. Et sinon, je te dirais de regarder en termes de nombre de visites. Donc tu te dis, ok, là, j'ai eu tant de visites sur cette page et j'ai eu tant de conversions. À cette date-là, je change. Je te conseillerais de tout changer parce que c'est plus simple à traquer après. Un petit commentaire sur mon Matomo. Exactement, une annotation.
Exactement. Et ensuite, tu fais le changement et tu regardes, ok, quand tu as à peu près le même nombre de visites, eh ben, tu regardes s'il y a eu des résultats et dans quel sens. Et j'ai pensé à autre chose et c'est parti. Oui, et surtout, il va falloir que tu travailles à amener le plus de monde possible. C'est ce qui va te permettre d'avoir plus de résultats, en fait, après. Tu auras plus de data et tu sauras mieux ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ou même quand tu fais tes posts, en fait, pour attirer sur cette page-là, parce que ton intérêt, c'est d'attirer sur cette page-là, et ben voir quelle formulation marche mieux qu'une autre. Ça peut te donner des idées aussi. Si tu vois que tu fais... je te parle de LinkedIn, parce que c'est celui qui me vient le plus facilement en tête, mais tu peux faire un post LinkedIn en utilisant « Démarre l'aventure avec nous », et après tu mets ton explicatif et tu postes, tu vois ce que ça fait. Et quand tu vas faire un autre post en mettant budget de ton mariage avec nous, et ensuite tu mets le reste de ton explicatif, tu vas voir quelle phrase marche mieux. Et derrière, tu peux utiliser cette phrase sur ton site. Tu vois, ça peut être une idée aussi. Ouais, ok. Hello Florence. Oui, du coup, Florence aussi parle de faire un test AB des pages. Voilà, comme je te disais sur WordPress, je sais qu'il y a des plugins, mais après, je ne pourrais pas te recommander. Par contre, si tu fais cette technique et que tu as des retours, je suis très preneuse de ça. Ouais. Okay. Et je pense qu'on va devoir s'arrêter pour passer à la suite. Je suis désolée, c'est très rapide. Est-ce que t'as d'autres choses rapidement ou ça te convient? C'est faisable, hein, t'inquiète pas, ça... Non, je pense qu'on a fait un petit tour cool de celui-là. Je pense que j'ai un peu de boulot à faire dessus. Et puis, je vais pouvoir entamer le suivant sans trop m'inquiéter. Et je ferai un truc plus court sur le suivant. Ouais, enfin, franchement, les lead magnets, au début, ensuite, le premier en plus, on veut toujours tout mettre. C'est comme les formations. Quand on crée sa première formation, on veut tout mettre dedans. On veut que ce soit parfait. Non, c'est pas là qu'il faut mettre son énergie. Genre, c'est très bien, hein, mais c'est déjà des choses gratuites qu'on donne. Il y a du travail qui est fait derrière. Enfin, vraiment, faut que ce soit simple suivant, et que ça donne de la valeur ajoutée. Sinon, j'avais mis 6 mails, mais promis, je vais le réduire. Ah oui. Je l'avais commencé un petit peu à le penser, mais je vais le réduire, du coup. Je vais faire un truc vraiment petit. Et dernier truc auquel je pense, c'est que ça peut valoir le coup, vu que tu dis que c'est des choses que les personnes téléchargent et qu'elles accèdent, enfin qu'elles téléchargent sur le moment, mais auxquelles elles peuvent avoir besoin dès qu'elles... Bon, bref, dont elles peuvent avoir besoin plus tard, peut-être que ça vaut le coup d'avoir plutôt un format e-book, enfin un PDF, plutôt que des mails, parce que les mails, tu peux peut-être un peu moins bien les garder dans ta boîte mail, où elles peuvent se perdre peut-être un peu plus facilement que si tu as un dossier sur ton ordinateur avec un document à télécharger. Ouais, j'aimais bien, parce que du coup, chaque mail, en fait, renvoie vers des pages de mon site, donc ça me permet de voir aussi à quel moment j'ai des abandons, qui va vraiment faire les étapes et tout. Ok. Je me sers un petit peu de ça. Tu peux avoir à la fin... J'aime bien le fait de pouvoir avoir la main, si j'ai des retours sur le livret, sur les infos. J'aime bien pouvoir... Enfin, j'ai vu que c'était un truc que tu faisais aussi sur tes formations, que tu pouvais faire des mises à jour. Et j'avais vu que tu avais ton système avec tes espaces de Google Doc en ligne, où du coup, je vois que tu peux modifier en fait ce Google Doc pour que les suivants puissent profiter des erreurs, entre guillemets, ou des choses qui peuvent avoir été améliorées. Et ça, c'était un truc que j'avais bien aimé dans ta formation. Donc, j'ai essayé du coup d'avoir un modèle qui me permettait de faire ça, parce que comme on est sur du long terme, je me dis que quelqu'un qui... s'inscrit à tel moment, mais qui se dit 6 mois plus tard, je m'y mets, c'est dommage qu'elle profite pas de l'expérience des 6 mois précédents, quoi. Ok, je comprends. Ouais. Peut-être t'as un document final à la fin qui résume tout, ou tu reprends tout? Ça pourrait être non, parce qu'en fait, d'avoir un truc final où tu as du coup t'as bien ton branding, etc., mis en avant, et t'incites les personnes à télécharger ce document là peut-être pour garder une trace, parce que j'ai peur que le lien soit un peu moins facile à retrouver que... Enfin, soit un lien, soit des mails, soit peut-être un peu moins facile à retrouver que j'ai... Bon, après, à partir de l'étape 5, ils ont leur Excel, leur gros Excel. C'est ça le gros document. Ok, d'accord. Ouais, c'est le gros doc. Ils l'ont à l'étape 5, juste après le tri de ceux qui ne suivent pas le truc. Parce que j'ai aussi des collègues qui... Je les vois. J'ai des collègues qui se sont inscrits sur mon lead magnet pour faire de l'espionnage. Ah ouais. Et du coup, ces gens ne... n'oseront jamais m'envoyer un mail pour me dire « Est-ce que je peux avoir la suite du lead magnet ?» Donc, j'ai fait un peu du gatekeeping là-dessus. Je comprends complètement.
Mais ouais, du coup, ouais, je vais réfléchir par contre parce que c'est vrai que le fichier n'est pas hyper brandé. Le fichier Excel, pour le coup, c'est assez straight to the point. Et je ne sais pas brander un fichier Excel, mais je suis sûre que c'est possible et Oui. je pourrais regarder. C'est vrai que ça peut être intéressant que dans ce fichier-là, il y ait quand même des choses qui simplifient le fait de me retrouver derrière, quoi. C'est une bonne idée. Eh ben, je vais devoir te Ok, laisser. bon, bah, je me fais un petit temps au suivant. Et avec plaisir, Merci, merci si tu veux me partager tes retours, beaucoup. comment ça a avancé, etc. Avec très grand plaisir. Et si les tests Carrément. AB, ça a marché. Ouais, si je vais. Je pense que la solution de regarder les stats sur une période et ensuite faire le changement et attendre qu'il y ait cette période qui soit passée pour comparer, ça me semble plus logique. Les Enfin, stats, c'est la je me vie. vois mieux comme ça. Donc, ouais, je pense pas que je vais tester. Et si je le fais, je te dirai. Avec grand plaisir. Je veux bien suivre l'avancée de tout ça. Eh Ouais. ben, je vais te laisser et je vais aller retrouver Jérôme, du coup. Merci beaucoup Ça d'être marche. venu. Et puis, bah, si tu restes dans le chat, à tout de suite dans le chat. Ouais, carrément, je vais suivre la fin un peu de live. Merci beaucoup. Merci. Hop. Voilà. Maintenant, on passe à Jérôme. Oh, j'ai 2 minutes de. C'est vraiment bien calculé. J'ai laissé 5 minutes de 5 minutes de battement et on va être très très bon le temps que mon ordinateur puisse ouvrir l'autre. Re-hello Florence. Comme je disais dans le chat, si vous avez envie de partager vous votre avis, vos questions, n'hésitez pas. Hein, je suis là pour ça, on est là pour ça. Et c'est avec grand plaisir. Alors, tac, pas de caméra. Tac, tac, alors, j'ai John Stark qui veut participer à l'appel. J'espère que c'est Jérôme. Jérôme, est-ce que tu m'entends? Tu as coupé ton micro si jamais. Ça y est, je pensais l'avoir remis. Tu Oui, m'entends? c'est bien Jérôme? Oui. Ok. Oui, j'ai été obligé d'utiliser. Je suis là depuis le début, je n'ai pas pu participer au chat, mais j'ai été obligé d'utiliser ce compte Gmail obscur parce que, Pas de soucis, c'était voilà, juste pour être ma sûr. messagerie, c'est une Outlook, donc voilà. Pas de soucis. Eh ben, écoute, je te propose que tu présentes ton projet, mais du coup, c'est le projet de ta sœur, si j'ai bien compris. Donc, tu nous le présentes rapidement, et puis ta problématique, et puis on va parler de ça. Oui, bah, en fait, c'est très différent. Enfin, c'est pas du tout le même niveau de situation que celui d'Elvire, puisque Elvire, elle a un site déjà fonctionnel et tout. Elle a une stratégie déjà qui avance. Bon, dans le cas de ma sœur, Sandra, bon, elle est équithérapeute depuis 2017. Donc, je sais pas déjà si toi ou les gens dans le chat savent ce que c'est l'équithérapie, parce que c'est déjà une partie du problème, hein, Tout le monde sait qui est un boulanger, mais tout le monde ne sait pas qui est un équithérapeute et ce qu'il fait. Donc voilà. Et ma sœur, depuis 2017, elle a du mal à attirer du public. C'est ça sa problématique principale et elle ne sait pas comment s'y prendre, quoi. Ça n'a jamais été son truc de valoriser ce qu'elle fait. Elle connaît son métier. Elle a une licence de psycho. Elle est monitrice éducatrice. Elle a été formée à l'équithérapie. Elle fait partie d'un petit réseau. Tout ça. Bon voilà. Mais après, quand il s'agit de valoriser ce qu'elle fait, bon, ben c'est toute une autre histoire. Donc, la question qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est une question très large, hein, du coup, pour un temps aussi court. Mais bon, c'est comment je peux faire? Est-ce que le web marketing? Est-ce que la création d'un site? Est-ce que l'optimisation de Google My Business, est-ce que Facebook, quel est le canal, comment s'y prendre, voilà, c'est la question est très large. Ouais, elle est à l'IMX, c'est ça? Ouais, C'est bien Litémix, c'est une commune l'ITMX. située dans les Landes, ouais. Ok, d'accord.
Ok. Mais c'est pour ça aussi que j'ai eu plusieurs demandes du coup pour participer à la permanence com, mais c'était aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui commençait. Donc c'est pour ça que oui. Ça m'a quand même intéressé de te faire participer. Tu veux dire un mot sur ce que c'est du coup l'équithérapie ou parce que moi ça oui. me parle, mais peut-être que comme tu dis effectivement très rapidement en une phrase. Oui. Ben, en fait, tout est dans le mot, quoi. Équi, c'est le cheval, et thérapie, ben, tout le monde, tu m'entends? Oui, oui. Oui, parce que comme Elvire tout à l'heure, il y a le décalage parce que j'ai voilà. Donc, en fait, tout est dans le mot quasiment, mais tout et rien, on va dire, parce que à quoi ça sert de faire appel à un thérapeute qui travaille avec le cheval? Bon, parce que comment se passe une séance? Peut-être c'est le plus simple, c'est que la personne qui arrive, hein, qui a un problème, alors qui peut être un problème, un handicap. Elle travaille beaucoup avec des institutions qui accueillent des personnes handicapées ou porteuses de handicap, on va dire, ou souvent l'autisme. L'équithérapie est conseillée pour l'autisme. Bon, comment ça se passe? Ben, en fait, les gens arrivent, il y a un échange avec eux. Ils vont au pré parce que ma soeur a 5 chevaux, 2 poneys et 3 chevaux, donc ils vont chercher le cheval. Il commence à le brosser, à avoir un contact physique. Puis après, la séance, c'est essentiellement des exercices de mise en mouvement du cheval avec longe ou non pour ben justement travailler le lien avec l'autre, la capacité à se mettre en relation avec un être vivant, travailler ses émotions, être présent au moment donné, ressentir un apaisement, et puis réussir aussi des choses, prendre confiance en soi, c'est-à-dire réussir un exercice, réussir à faire aller le cheval dans tel sens, le guider, être en relation avec lui. Bon, voilà, une séance, ça se passe comme ça. Peut-être commencer par la description d'une séance, c'était peut-être le plus simple pour faire comprendre. Et c'est une forme de psychothérapie, entre guillemets, on va dire ça comme ça, qui vise vraiment à essayer de résoudre des problèmes de lien avec soi-même, de lien avec les autres et de lien avec l'environnement, pour être apaisé ou pour avoir plus de confiance en soi, pour mieux gérer ses émotions, pour traiter des troubles de l'attachement. Donc, il y a Ok. plusieurs, voilà, Ok. pour dire en gros. Et tu sais qui est-ce qu'elle cible si elle. Tiens, d'ailleurs, tu pourras lui dire sur sa page Facebook, il y a une erreur sur le mail. Je pense. D'accord. Je pense que Oui. c'est gmail.com plutôt que. Oui. Est-ce que tu sais qui est sa cible? Si elle cible plutôt les particuliers, les professionnels? Parce que du coup, moi, je connais l'équi-coaching. Enfin, donc, je connais très bien l'univers du cheval. J'ai travaillé dedans un très long moment. Mais du coup, il y avait aussi l'équi-coaching donc pour les entreprises. Est-ce que elle travaille sinon avec des structures d'aide à l'enfance ou aux personnes avec porteuses de handicap? Tu sais qui est sa cible ou pas? Oui, alors il y a à la fois évidemment les structures. Donc depuis 2017, elle a travaillé avec 5 structures de manière régulière et 3 aujourd'hui. Donc c'est des structures qui accueillent des personnes porteuses de handicap mental et psychique principalement, Ok. et des personnes souvent sous traitement assez lourd et qui sont en institution ben, en permanence quasiment. Bon, là le principal travail qu'elle a pu faire avec eux, qui a produit des effets sur le long terme, court et long terme, c'est surtout un apaisement, un mieux-être émotionnel, je veux dire, pour ces personnes qui, parce que comme me disait ma sœur hier quand on a préparé cet entretien, bon, les gens restent handicapés évidemment, hein, donc voilà, ça on peut pas régler des problèmes de ce type. Après, pour les particuliers, ben, elle vise aussi les particuliers, effectivement, des gens qui auraient des problématiques particulières. Par exemple, elle a accompagné une quinzaine de personnes depuis 2017. Ça pouvait être des personnes qui avaient eu un gros souci de santé ou qui venaient de divorcer ou qui venaient d'être maman, par exemple, et qui avaient du mal à gérer leur nouvelle vie. Bon, voilà des gens qui, souvent, par rapport à des événements particuliers, et elle avait fait un travail un peu de réseau local auprès de médecins pour Oui. qu'ils lui avaient orienté ces personnes. Bonne Mais les idée. cibles peuvent être très diversifiées. Par exemple, on parlait hier parce qu'elle aimerait aussi s'orienter vers quelque chose d'un peu plus léger, qui puisse être récréatif, pour proposer des activités avec des parents et leurs enfants, par exemple, parce qu'elle a aussi accueilli parfois dans les particuliers des parents qui avaient des difficultés avec leur enfant en matière d'hyperactivité, de troubles de l'attention, par exemple. Ouais. OK. Voilà, donc.
Il y a des publics assez larges, mais elle n'a pas défini de persona, par exemple, sur lequel. Mais du coup, tu dirais que sa cible prioritaire, c'est quand même plutôt les structures accompagnatrices, on va dire, ou c'est plutôt les particuliers, ou les entreprises? Les structures, l'avantage qu'il y a, si tu veux, c'est qu'elles sont déjà un peu familières de la question. Ok. Donc, elles peuvent avoir un intérêt, elles sont un peu plus loin dans le tunnel de conversion, si tu veux, qu'un particulier qui ne saurait pas forcément ce que c'est. Et puis en plus, elles sont identifiables. Donc, tu peux faire une démarche de prospection plus aisément. Donc, c'est comme ça que depuis qu'elle a commencé, elle a pu travailler avec 5 structures locales. Top. Et de manière assez. Aujourd'hui, elle est en séance, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Elle aurait été mieux placée que moi pour pouvoir en parler. Mais elle est en séance avec une institution, justement. Donc, voilà. OK. Donc, ça, c'est la priorité. Mais après, elle est ouverte aussi aux particuliers, quoi. Elle n'a aucun souci avec ça, quoi. OK. Et Mais c'est plus difficile d'aller chercher les particuliers, quoi, bien sûr. de leur faire comprendre l'intérêt de la pratique. Faire comprendre l'intérêt de la pratique, et aussi il y a pour ce qui est de payer, c'est plus facile pour des entreprises et des structures d'être financées ou de financer l'accès aux produits et aux services versus un particulier. Je parle en général, hein, pas Oui, bien sûr, en très c'est une général. problématique qu'elle a aussi en tête, parce qu'effectivement, ben, on est sur des actions, une séance coûte 50 euros et non remboursée en général. C'est Donc, ça. Ok, et du coup, là, à l'heure actuelle, elle a quoi rapidement, elle a quoi en place? Donc, j'ai trouvé la page Facebook, elle a la page Google My Business, donc où on peut la retrouver sur Maps. Oui. Et est-ce que tu sais si elle a d'autres choses ou pas? Non, elle a juste Facebook, Google My Business, et elle avait fait une plaquette que je t'avais envoyée Oui. aussi. Oui. Mais en dehors de ça, elle n'a pas développé d'autres supports de communication, d'autres canaux. Ok. J'ai pas ouvert la plaquette parce que je pense que mon ordi va décéder si je le fais, Ouais. mais je l'ai bien reçu. Ok, du coup, la question, donc effectivement, je pense que si elle avait du temps illimité ou une grande équipe autour d'elle ou un budget illimité, forcément le web marketing aurait son intérêt parce que bah, du coup elle pourrait toucher beaucoup plus de personnes et puis faire développer ses canaux en fonction de si elle veut toucher justement des structures accompagnatrices ou des particuliers, elle pourrait totalement. Mais du coup, vient ma question suivante, c'est qu'en général on pose après, c'est qui, qu'est-ce que ton projet représente? Qui est ta cible principale? La question d'après, c'est quels sont tes moyens? Parce que développer un site, oui, ce serait forcément intéressant, parce que du coup, tu pourrais travailler le contenu de ton site pour le développer, donc avec des contenus pour expliquer justement qu'est-ce que c'est l'équithérapie, les bienfaits que ça pourrait apporter, donc vraiment bien orienté sur les bienfaits concrets que ça peut apporter aux personnes, comme on parlait avec Elvire tout à l'heure. Sur ok son lead magnet, donc le budget de pas marketing, le budget de wedding, de mariage, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement? Là, qu'est-ce que l'équithérapie concrètement pourrait m'apporter? Et ensuite, tu pourrais avoir des pages dédiées en fonction de chaque personne. Et ben si vous êtes un particulier avec un problème de TDAH, donc de trouble d'hyperactivité et trouble de l'attention, voilà ce que pourrait vous apporter l'équithérapie. Et comme ça, tu aurais des pages spécialisées par public. Et puis après, tu pourrais voilà, avoir développé cette notion-là pour chacune des pages de ton site. Et puis surtout, avoir la notion de référencement local, donc d'avoir des contenus qui soient ciblés autour de l'IT mixte ou de la région plus globalement, si c'est possible. Mais du coup, il y a un réel intérêt. Mais le problème étant, c'est que bah, un site, ça prend du temps. Même le site le plus simple, ça peut prendre du temps et ou de l'argent à développer. Donc c'est pour ça que le site c'est bien, c'est très très bien, mais c'est pas forcément toujours la première solution qu'on va recommander. C'est déjà bien qu'elle ait fait sa page Google My Business, c'est déjà très très bien. J'ai pas regardé si elle avait beaucoup d'avis, mais qu'elle n'hésite pas. Non, il n'y a pas d'avis. Qu'elle n'hésite pas à demander aux personnes, qu'elle demande aux personnes de laisser leur avis, voilà, de donner des reviews qu'elles puissent derrière en profiter. Et que ça donne peut-être un peu plus de visibilité à ce qu'elle fait, ou du moins un peu plus de crédibilité. Mais donc tout ça pour dire, est-ce que tu penses que le site internet, ce serait quelque chose qu'elle pourrait développer, ou est-ce que d'après elle, faudrait plutôt, elle préférerait peut-être, ou là elle n'a pas les moyens de se concentrer sur ces choses-là, et du coup elle passerait principalement par les réseaux sociaux, par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce que tu sais un petit peu en termes de moyens
Oui, alors, je pense que je lui ai posé la question, tu vois, parce qu'effectivement, elle m'a dit qu'elle pouvait prendre du temps, plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, pour rédiger des contenus ou réfléchir à ça et produire. Bon, alors, mais au regard de ce que tu me dis, je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas miser sur sa page Facebook qui existe déjà, même si elle poste très peu? Ou optimiser Google My Business en travaillant les descriptions, la description ils appellent ça produits, je crois, mais on peut décrire des services dans Google My Business. Est-ce que pour quelqu'un comme elle, c'est pas plus simple de gérer ces outils-là plutôt que de se rajouter un site qui est faisable, hein, mais qui nécessite de l'investissement supplémentaire, voilà, Ouais. financier, si on veut se le faire créer, parce que bon, on peut se le faire soi-même. Après, ce qui sera de qualité, c'est autre chose. Mais dans tous les cas, il faut du temps et tout. Donc, voilà. C'est ça. J'aurais tendance à dire que vraiment, si elle arrive à soit à avoir un peu de temps pour le faire elle-même, soit à avoir le budget pour le faire, le site, même si c'est juste un site vitrine pour commencer, ça peut être quand même bien, et notamment quand on travaille avec des professionnels, parce que du coup, il y a quand même cet aspect crédibiliser Oui. ce qu'on fait. Pour les réseaux sociaux, la question, ça va être où est sa cible? Parce que Facebook, je ne sais pas si c'est forcément le support adapté. Est-ce que sa cible, elle est plutôt sur Instagram? Est-ce que ça, enfin, il y a cette question-là à se poser qui est touchy quand même. Mais par exemple, elle pourrait très bien aller sur LinkedIn où elle pourrait toucher du coup tout ce qui est structure professionnelle. Donc que ce soit les entreprises qui font des séminaires, qui cherchent à faire des séminaires en entreprise, ou les structures aidantes. Bah, du coup, ces personnes-là sont sur LinkedIn. Mais du coup, faut partir sur de la création de contenu, ce qui peut être très bien du coup, parce qu'elle peut sensibiliser. En plus, elle travaille avec des chevaux, donc ça fait quand même un contenu assez facile en termes de photos et de vidéos. C'est facilement partageable. Donc, attention à Facebook. Si elle, enfin après, elle peut tout à fait demander autour d'elle pour autour des personnes avec lesquelles elle travaille déjà, en fait, où est-ce qu'elles sont? Ça pourra l'aider à avoir une première idée de son persona et de où est sa cible. On a Thomas qui dit dans le chat que je pense comme Alex qu'il faut aller vers la création de contenu. Si la problématique numéro un, c'est la méconnaissance de l'activité d'équithérapeute, il faut forcément passer par une phase éducation. Et c'est vrai que du coup, la création de contenu peut aider là-dessus, que ce soit en faisant des posts régulièrement pour expliquer bah, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, quels sont les bienfaits aussi concrets et directs sur les personnes en fonction de leur profil. Donc si vous êtes une personne sur le trouble du spectre autistique, ça pourrait vous aider à ci ou à ça. Si vous avez des troubles de l'attachement, ça pourrait vous aider à ci ou à ça, etc. Ou que ce soit des contenus qui derrière soient gardés. Donc par exemple, imaginons qu'elle fait un post Facebook, Instagram ou LinkedIn pour expliquer le bienfait de l'équithérapie sur bah, les personnes TDAH. Elle pourrait très bien garder ce contenu-là pour plus tard en faire une page pour son site internet. Si du coup à terme elle aimerait avoir un site, ça peut être aussi comme ça, construire au fur et à mesure en fait le contenu de son site pour plus tard. Mais en attendant, elle travaille quand même un petit peu à se faire connaître en utilisant le moyen le plus facile, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et tu parlais de Google My Business. Je pense que ça pourrait même être la première chose à travailler parce que c'est quelque chose que une fois que tu le travailles. Tu peux le laisser vivre, entre guillemets. Tu n'as pas besoin de poster régulièrement du contenu sur Google My Business. Une fois que ta page est travaillée et qu'elle est là, elle est là. Faudrait que, par contre, régulièrement, elle demande des avis. Ce serait chouette, parce que bah, forcément, plus elle a d'avis sur sa page, mieux c'est. Mais ouais, peut-être commencer par Google My Business. Ensuite, travailler à faire des explications. Pardon, mon esprit est parti ailleurs parce que Florence dit filmer des séances et c'est vrai que c'est une très bonne idée. Filmer des séances si possible d'équithérapie et voir montrer comment ça se passe. Même si après voilà, peut-être faire un micro-montage pour montrer que quelques scènes. Mais du coup, on a du concret et on se rend compte peut-être de la progression des personnes. Ça peut être aussi des témoignages des personnes. Enfin, pour le coup, c'est une très chouette activité et il y a matière à en parler, quoi. Il y a vraiment de la matière et ce serait super intéressant de pouvoir en apprendre plus là-dessus ou en voir au quotidien. Enfin, voilà, même si on n'est pas
personnellement touché, ça peut être quand même intéressant d'en apprendre plus sur l'activité, quoi. Oui. Ben, je pense que c'est tout à fait judicieux, hein, tout ce que tu dis. Il faudrait peut-être commencer par ça, effectivement. J'avais une idée aussi que j'ai perdue au fil de la discussion en mettant en C'est le piste, c'est pas problème. grave. J'ai écouté en prenant des notes, alors c'est pour ça. Il y a Thomas qui dit 100% d'accord avec toi, Florence, c'est zéro effort et super contenu, super comme contenu. Pardon. Donc le fait de filmer les séances, ça pour le coup, ça pourrait vraiment être intéressant. Puis en plus, ça rentre dans les dynamiques de contenu qui marchent bien en fait sur Internet à l'heure actuelle. Donc c'est quelque chose de dynamique où il y a de l'action. Enfin voilà, ça va pas être un contenu ennuyant quoi. Et Ouais. donc c'est Mais vraiment un contenu qui marcherait bien. il faut que ça soit fait de manière pro, par contre, je suppose, parce que si tu fais une vidéo avec ton téléphone Bah, mal cadré et tout. j'ai envie de dire oui et non, parce que oui, certes, il faut pas avoir n'importe quel téléphone. Un téléphone assez récent, ça pourrait faire le travail. Mais en fait, même avec un téléphone, ça pourrait suffire. Vraiment, il suffit d'aller sur Instagram ou TikTok à l'heure actuelle et de regarder les vidéos qui sont faites. C'est pas toujours de la super super bonne qualité, quoi. Mais ça peut marcher. Donc effectivement, faut pas faire ça n'importe comment. Après, on s'améliore en pratiquant. Ça, c'est un truc qui est évident, c'est à force de le faire qu'on apprend à faire mieux, qu'on apprend, ok, bah, ce format-là, il marche ou il marche pas. L'effet que j'ai mis ici, je l'aime ou je l'aime pas. Enfin, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent en faisant. Mais c'est tout à fait possible de faire avec un téléphone. Ça, pour le coup, je suis fervente défensrice de pouvoir utiliser des moyens faciles, en fait, pour faire ça D'accord. comme. Il y a Elvire qui nous dit la vidéaste que je suis n'est pas d'accord. Mais bon, on parle de personnes qui n'ont pas les moyens ni les connaissances forcément toujours. Enfin, pareil, hein, je suis pas vidéaste. Pour autant, voilà, j'arrive à m'en sortir à faire des choses pas complètement horribles. En tout cas, le message est transmis et c'est ce qui compte, quoi. Après, si Elvire veut se lancer dans la vidéo photo vidéo d'équithérapie. Thomas qui nous dit YouTube propose le face blurring automatiquement à l'upload, donc on protège facilement l'identité des personnes qui font la séance. Donc ça c'est effectivement si on... Donc là on sort des réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'il y a aussi tout l'aspect, on n'en a pas parlé, mais l'aspect vidéo sur YouTube peut être aussi ultra intéressant. Et plus intéressant, donc l'avantage de YouTube versus les réseaux sociaux, c'est que le contenu il reste après sur YouTube et qu'il est référencé. Donc c'est-à-dire que quand je vais aller sur Google et que je tape équithérapie, tac. Bon, bah là, c'est pas le cas. Mais je peux avoir les vidéos qui sortent ici. Donc, je peux avoir des vidéos YouTube qui vont sortir dans les résultats de recherche. Et du coup, je pourrais tomber potentiellement sur la page de Cheval Éventail, etc. Donc, YouTube, pour le coup, c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt. Et puis, du coup, elle pourrait très bien expliquer et montrer concrètement comment ça se passe, les chevaux, pourquoi il ne faut pas en avoir peur ou des choses comme ça. Il y a Oui. Elvire qui du coup n'était pas d'accord avec, avec mes paroles sur les vidéastes. Il faut pas se brider en voulant que ce soit parfait. C'est mieux quand c'est fait plutôt que pas fait quoi. Oui. Et bon, ben oui, sur les avis, c'était ça que j'avais oublié en fait tout à l'heure. Ouais, on en a parlé parce que je lui ai dit que c'était assez facile avec Google My Business de faire un lien vers justement la fiche d'établissement et même de la transformer en QR code. Donc, elle peut facilement automatiser le recueil d'avis comme n'importe qui. Et en plus, elle a quand même de très bons retours sur les gens qu'elle a accompagnés. Donc je lui dis, tu dois prendre ton téléphone, les recontacter, et puis leur demander s'ils sont d'accord pour faire des avis, quoi. Oui, même Alors, un SMS ou un petit mail pour demander de laisser un ouais. avis. Les gens sont, en général, s'ils sont contents du service, ils le font, quoi. Oui, et puis après, peut-être ce qu'il faut éviter, vu que il y a zéro avis parce qu'elle n'a jamais demandé les avis aux gens. Bon. Mais peut-être il faut éviter que tous les gens donnent leur avis tout d'un coup, quoi. Ça pourrait paraître bizarre au robot de Google, peut-être, mais bon. Oui, bon, ça, pour le coup, je pense qu'elle va pas avoir 15 000 avis d'un coup. Donc, je Non, pense que non, mais voilà, c'est sûr. si elle a déjà une dizaine d'avis, c'est déjà très très bien. Une dizaine d'avis en même temps, ça posera pas de souci. Puis, je pense pas que les gens vont le faire immédiatement quand ils vont recevoir le message ou quoi. Donc, ça devrait pouvoir le faire. Mais que du coup, elle pense aussi peut-être à faire de la création de contenu, comme on en a parlé sur LinkedIn.
Ça Oui. pourrait être intéressant pour toucher les structures professionnelles, les structures accompagnatrices ou pour les personnes aidantes, etc. Ça pourrait être intéressant, ça. Ben, tout à fait, parce qu'en plus, comme tu as dit, bon, là, on va arrêter, je vois l'heure, mais comme tu as dit, ben, en plus, un contenu, il n'est jamais perdu, quoi. Bah, elle le garde Donc, bien. Parce que par contre, du coup. pour retrouver ses posts LinkedIn, ça peut être un peu l'enfer. Mais qu'elle, par contre, elle se note ça dans un Notion, un Airtable, un Google Doc, enfin, Oui, peu importe, bien mais sûr. qu'elle garde tous ces contenus-là et que derrière, ça puisse servir quand elle créera son site internet ou si elle fait créer son site internet par quelqu'un, que du coup, il y a ça. Après, créer son site, c'est pas si compliqué que ça. Oui, C'est oui. faisable. Bah, je suis en train de me former à WordPress d'ailleurs, hein, Bah, donc parfait. je suis dans l'idée de pouvoir l'aider à le faire prochainement. Eh ben, Mais bah top. j'aimerais quand même être en capacité de le faire bien, quoi, avant de l'embarquer dans cette aventure. Je comprends. Voilà. Je le comprends. Mais pour le coup, on avait créé pour une naturopathe, non, une coach de naturopathe. Oui, c'était particulier. On avait créé son site ensemble, donc je l'avais coaché pour créer son site WordPress et ça nous a pris deux séances. Donc c'est deux séances de 1 heure et demie. Donc ça nous a pris 3 heures. Donc c'est pas si compliqué. Et derrière, elle savait s'en servir, elle savait le mettre à jour, elle savait. Enfin voilà. C'est pas si compliqué. C'est faisable. Et en plus, WordPress, Oui, bien l'avantage, sûr. c'est qu'il y a énormément de contenus gratuits qui sont sur Internet pour comment s'en servir, comment faire des choses un petit peu différentes avec des calendriers, des réservations, des choses comme ça. Mais il y a vraiment plein plein de contenus, donc c'est facile à l'heure actuelle pouvoir Ben créer oui, son parce que site. tu vois, en plus, le lead magnet, ça pourrait être, je sais pas si c'est le vocabulaire, mais ça pourrait être offrir une séance de découverte, tu vois, des trucs comme ça. Tout à fait. Prévoir une demi-journée par mois pour des séances de découverte, et puis voilà, les Exactement. gens viendraient, et puis elle en profiterait, parce que c'est quand même plus simple quand tu es sur le site avec les chevaux et tout, de te dire, ah bah oui, ça me plaît, tout ça, je me dis que c'est une bonne truc, voilà. Ouais, les portes ouvertes, c'est un bon moyen pour attirer du monde. Et en plus, ça lui fait une matière à communiquer derrière. Parce que souvent, on se dit, ok, bon, ok, on m'a dit qu'il fallait que je sois présente sur les réseaux sociaux, mais de quoi je parle? Eh ben, les portes ouvertes, c'est un événement récurrent. Où du coup, bah, on sait que tous les mois, on va pouvoir parler de la porte ouverte qui arrive dans 2 semaines, etc. Et ensuite, derrière, ça nous fait du contenu pour ensuite. Donc, pendant les journées portes ouvertes, si toi, tu peux être là pour filmer, prendre des photos ou des choses comme ça peut être top. Ou même faire un live en direct, mais ça, je pense que c'est peut-être pas la peine de se prendre la tête avec ça directement. Mais pendant les portes ouvertes, prendre des photos, des vidéos, en respectant la vie privée des personnes, bien Oui. entendu. Ça pourrait être chouette, c'est une très très bonne idée. Ok. Bon, il y a quand même beaucoup de matière dans tout ce que Oui, vous avez c'est. dit, toi et le chat. Donc merci. Parce que je n'ai pas pu participer au chat non plus, je ne sais pas pourquoi, mais je remercie toutes les personnes qui ont contribué aussi. Et je vais céder la place à la personne suivante. Merci beaucoup. Ben, merci en tout cas Merci à toi pour pour ton la temps. proposition. Et puis ben peut-être à tout de suite dans le chat si tu arrives à le rejoindre. Et puis sinon, tiens-nous au courant de l'avancée de comment ça se passe avec Cheval Éventail du coup. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Et en vrai, j'ai déjà fait des vidéos de portraits d'artisans ou de personnes qui travaillaient avec des ânes. Donc des portraits d'équithérapeutes, c'est dans mes cordes. Elvire, en train de trouver du taf sur le chat en direct, c'est parti. Mais ça serait pas dans son budget. Ouais, c'est ça souvent le problème quand on débute. Et c'est pour ça que j'aime bien demander quelle est la priorité du moment. Parce que parfois, on a des personnes, typiquement quand les personnes viennent de changer d'emploi, oui, c'est français, viennent de changer d'emploi, bah, du coup, elles vont pouvoir avoir l'allocation chômage, par exemple, qui leur permettent de souffler un peu, ou elles ont de l'argent de côté. Et du coup, elles savent qu'elles ont le temps de créer leur site internet, qu'elles ont le temps de poser les bases de leur com, que ce soit la charte éditoriale, le graphisme, donc tout ce qui est charte graphique avec le logo, etc. Certaines personnes ont le temps de faire ça, et c'est chouette, et c'est vraiment, vraiment top, c'est un gros confort. Mais d'autres personnes, c'est pas le cas. Donc, on va devoir se triturer un peu le cerveau en se disant, OK, donc si c'est pas la priorité, enfin, si on n'a pas cette sécurité-là et qu'il faut se focus sur la priorité du moment, bah, OK, donc qui est la cible principale, celle qui est principale dans le sens où c'est celle qui est la plus rémunératrice pour que la personne puisse continuer de vivre quel est le moyen le plus efficace pour ça? Et du coup, voilà, ça va être chercher les canaux vraiment les plus efficaces. Hello Vincent! Thomas, il faut que j'y aille. Merci beaucoup pour le live, c'était top. À très vite, Thomas. Et Elvire, non, après, en vrai, si elle était pas loin, j'aurais bien proposé du troc. Très bonne idée. Le troc, pour le coup, c'est vraiment, vraiment une super idée. Donc, en gros, c'est de l'échange de services.
Ça marche très très bien et j'ai créé un groupe de freelance éthique sur Lyon et je pense qu'on va partir là-dessus avec du coup des personnes qui sont graphistes par exemple et moi qui ai des connaissances en web marketing, du coup je peux très bien leur filer des coups de main sur comment je sais pas sur leur site WordPress ou comment faire sa stratégie éditoriale sur LinkedIn, que sais-je, et en échange du coup elle me filera un coup de main sur le graphisme parce que c'est clairement pas mon fort. Je suis sûre que ça m'aiderait des trucs comme les séances d'équithérapie. Ouais. Je pense que ça peut faire que du bien. Tac. Et du coup, on va passer à la dernière personne. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps ou d'autres... quoi que ce soit, n'hésitez pas à participer dans le chat et puis on pourra rester un peu si vous le souhaitez après. Donc, on est maintenant avec Anne. Ah non, Anne n'est pas encore là. Tac. Anne, tu étais dans le chat tout à l'heure, donc n'hésite pas à venir sur le lien de la conversation que tu as reçu, sur le lien de la visioconférence que tu as dû recevoir. Hop. Et d'ailleurs, on a parlé beaucoup de lead magnet au début, mais c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas, donc avec Elvire, mais je ne l'ai pas du tout défini. Un lead magnet, en anglais, c'est un aimant à prospects. Donc en gros, ça va être ce qui vous permet d'attirer des prospects, donc des potentielles clientèles, une potentielle clientèle ensuite. Donc typiquement, ça va être, en général, le plus simple, c'est des documents à télécharger. Donc là, on a eu l'exemple très bien tout à l'heure pour commencer le live avec Elvire qui nous a montré. Donc elle était photographe de mariage et son idée pour attirer les personnes qui du coup vont avoir des mariages, son idée c'était de faire un document sur les budgets pour le mariage. Et du coup forcément elle est sûre d'avoir des personnes intéressées par le mariage, donc potentiellement ensuite en nourrissant la relation, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un bon lead magnet certes, mais aussi d'avoir derrière du contenu à proposer, de pouvoir nourrir la relation, parce qu'en général les personnes qui arrivent vous connaissent pas forcément. Donc comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître, faire connaissance aussi avec l'autre personne, montrer qu'on a des compétences dans ce qu'on fait, que si jamais la personne a besoin de notre service, donc on va continuer avec l'exemple d'Elvire, mais en fait l'idée c'est que ensuite quand la personne se dit ok ça y est mon mariage il est prêt, je vais le faire, je pense pas que ça se passe comme ça mais vous avez compris l'idée, et que derrière dès qu'elle pense à photographe de mariage, que ce soit Elvire qui lui vienne en tête parce que elle a déjà vu souvent des mails de Elvire dans sa boîte mail ou qu'elle a lu les documents et qu'elle a trouvé ça cool. Donc en fait elle a quand même réussi à créer cette relation de confiance avec sa potentielle, donc avec le lead magnet qu'elle a créé et les emails qu'elle a envoyés avec la personne. Et du coup l'objectif c'est ça en fait, c'est de fournir de la valeur ajoutée gratuitement à la personne pour derrière la convaincre qu'on est la personne qu'il lui faut quand elle aura besoin. Ce live est réglé comme une horloge, mais Anne n'est toujours pas là, donc donc c'est pas grave, hein, je peux continuer à parler de lead magnet si vous le souhaitez. Anne, attends, je vais quand même vérifier que j'ai mis le bon lien. Oui, je suis sur le bon lien. Donc Anne, tu as le lien Meet que je t'avais renvoyé par email. Si jamais tu ne le retrouves pas, n'hésite pas à nous rejoindre. Tiens, d'ailleurs, pour les personnes qui sont dans le chat, ça m'intéressait de savoir si vous aviez des idées de marque. Parce que du coup, je cherche souvent des noms de marques avec des très bonnes stratégies d'inbound marketing. Parce que c'est pas souvent qu'on en trouve. Et j'aimerais éviter de rediriger vers des gourous marketing ou des choses comme ça à chaque fois. Donc, Elvire qui veut revenir. Écoute, si Anne ne vient pas, on pourrait continuer de parler de lead magnet. Hein. En plus, comme ça, on deviendra experte en budget mariage et équithérapie. Parfait, un live très rentabilisé. Je ne m'attendais pas à ça pour mon mercredi matin, mais... oui, donc du coup, si vous avez des idées de... je cherche les noms des marques sur ChatGPT. Bonne idée. Mais parce que les exemples que j'avais en termes de... Donc en fait, des entreprises qui auraient déjà des très très bonnes stratégies d'inbound marketing...
Je trouve ça quand même assez difficile à trouver. J'en ai quelques-unes qui me viennent naturellement parce que justement, c'est celle que j'ai donnée en exemple dans la formation Inbound Marketing. Mais c'est pas, ça va pas être des très très grosses structures parce qu'après, il faut aussi faire le tri entre ce qui est réellement de l'inbound marketing, donc donner de la valeur ajoutée à la personne, attirer la personne, etc. Et ce qui est souvent du washing ou de l'exploitation de données. Et bon, pour les grosses entreprises, c'est plutôt de ce côté-là plutôt que du vrai inbound marketing, quoi. Quand on pense à HubSpot, typiquement, qui est une entreprise de CRM, bon, voilà, voilà. Oh, hello Alexandre, ça va bien? Juste un nom ou un concept avec toi. Bah, si tu connais des marques qui ont une stratégie d'inbound marketing ou une stratégie de contenu que t'aimes bien, je suis preneuse. Dans mon domaine, il y a les Two Man qui font des formations pour photographes de mariage et qui ont une com très efficace avec beaucoup de contenu gratuit très stratégique qui leur permettent de vendre leur formation en ligne à très haut prix et en très grand volume. Je vais regarder ça. Pardon. Hop. Je vais vous mettre mon écran. Hop là. Ah. Malheureusement, un site de photographie sur mon ordinateur qui est actuellement en PLS du live, je ne sais pas si c'était le choix judicieux. Donc ça, c'est la reco de Elvire. Du coup, avec une équipe de photographes qui a une bonne stratégie de inbound marketing. Je regarderai ça parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et surtout, n'hésitez pas à vous inspirer d'autres structures, même si elles ne sont pas dans votre domaine. Parce que, par exemple, dans la formation inbound marketing, je parle de... comment elle s'appelle ? Kat Mefan. Il me semble que c'est Kat Mefan. Donc, c'est une professeuse de yoga, il me semble. Yoga, fitness, des choses comme ça. Et du coup, ce n'est pas mon domaine d'activité, hein, clairement. Mais par contre, il y a plein de choses qui sont bonnes à prendre. Ça peut donner de l'inspiration ou des idées, voilà, pour des lives, pour des façons de filmer ou des choses comme ça. N'hésitez pas vraiment à vous inspirer de tout ce qui peut marcher, quoi. Donc, je vais regarder Two Man. Effectivement, ça a l'air pas mal. Parce que du coup, tu nous dis, c'est pas connu du grand public. Oui, c'est risqué ce genre de site pour la rapidité, je confirme. Mais ça va, je crois que vous me voyez encore, donc ça va aller. Du coup, tu dis que c'est pas connu du grand public, mais c'est pas grave en fait. Tant que si c'est pas connu du grand public, mais que ça marche, typiquement, tu es photographe vidéaste et tu les connais. Donc c'est ce qui compte, quoi. C'est leur cible est touchée, c'est ce qui compte le plus. Donc, je regarderai ça. Que j'avais commencé aussi à regarder. Après, c'est pas de la stratégie inbound marketing vraiment. Donc la stratégie inbound marketing, c'est le fait de... En fait, on va avoir un entonnoir en marketing sur le web. On parle d'un entonnoir parce qu'en fait, on va avoir différents contenus qui vont nous permettre de faire avancer la personne dans le parcours clientèle. Donc typiquement, au début, la personne visite notre site ou notre marque. En gros, c'est le premier... la première découverte de notre marque, elle ne nous connaît pas. Donc bah, elle ne va pas nous faire confiance dès le début. Forcément, elle ne nous connaît pas. Et ensuite, c'est comment est-ce que je l'amène à m'aimer un peu plus, à me faire confiance un peu plus. Et en fait, c'est ça à chaque étape du tunnel de l'entonnoir. C'est pour ça qu'on parle d'un entonnoir, c'est parce qu'on a forcément des pertes. En fait, on est comme ça, on fait rentrer beaucoup de personnes et à la fin, bah, y a un peu moins de personnes qui deviennent clientes finales. Et en fait, notamment en fait, pour faire avancer dans ce tunnel, dans cet entonnoir là, on dit funnel en anglais, donc c'est pour ça qu'en français en général on dit tunnel alors que c'est un peu faux parce que funnel c'est un entonnoir, mais bon, voilà, c'était la petite anecdote. En général, ce qui aide à faire avancer dans cet entonnoir là, ça va être les contenus, mais ça va être des contenus qui doivent être adaptés à où est-ce que la personne est dans son parcours clientèle. Donc par exemple, tout à l'heure on a Jérôme qui nous parlait pour les kits thérapie d'offrir une séance gratuite. Enfin, ou une porte ouverte, ou quelque chose comme ça. C'est très bien, c'est chouette. Mais peut-être que ça, c'est quelque chose qui arrive un peu plus bas dans l'entonnoir, et qu'au début, pour se faire connaître, il va falloir avoir des contenus un peu plus, on va dire, un peu plus larges, un peu moins engageants. Donc ça peut être, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être pour l'équithérapie ? Générer brainstorming comme ça de bon matin, c'est compliqué. Mais ça peut être, je sais pas, des exercices pour... alors ça va être vraiment sorti du chapeau, hein, mais des exercices pour
mieux gérer son TDAH ou mieux vivre avec le TDAH. Et ensuite avoir des contenus spécifiques sur le TDAH. Alors je parle de ça parce que c'est celui que je connais le mieux, hein, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres thèmes. Et ensuite, à la fin, amener à, ok, donc maintenant que vous avez vu qu'est-ce qui pouvait vous aider à mieux vivre avec votre TDAH au quotidien, je vous propose d'essayer une séance d'équithérapie gratuite pour voir, effectivement, si vous, ça vous aiderait, ça vous conviendrait. Et derrière, en fait, on est vraiment passé de un contenu pas ultra engageant, qui, dans le sens où la personne n'est pas prise à la gorge, entre guillemets, avec bah, je télécharge juste un document, à je reçois plusieurs emails, je me dis ok, la personne elle est cool, effectivement, elle sait, elle connaît son métier, elle sait ce qu'elle fait, j'aime bien cette personne, à la fin à quelque chose de très engageant, je la rencontre, je passe au concret, je rencontre les chevaux, etc. Voilà, donc c'est dans ce sens là où du coup on part d'un contenu donc où la personne nous connaît moins, avec un contenu pas ultra engageant, jusqu'à vraiment ah, un petit son. Je pense que Anne est là. Ah non, Anne n'est pas là. Par contre, Google me demande si je suis là. Moi, je suis là. C'est Anne que j'attends. Hello Fresh, peut-être. Ah, bonne idée. C'est vrai que j'ai jamais regardé leur... Je vais me faire target après. Je suis en train de regarder leur site sans VPN, sans rien, là. Je vais recevoir des pubs HelloFresh jusqu'à n'en plus finir. Mais je suis pas sûre qu'ils soient full éthique dans leur approche. Je suis bien d'accord, parce que typiquement, là, sur leur carton, j'avais vu que... j'avais fait une photo, parce que j'en avais vu traîner dans une entreprise, où sur leur carton, ils mettaient en avant « Oui, c'est du carton recyclable, c'est bio et tout, ouais, trop bien. » Par contre, c'était à l'intérieur, c'était la balle de plastique, donc des feuilles de salade en plastique, tout ce qui était alimentation qui est en plastique, ce que je peux comprendre probablement pour des raisons de conservation. Après, je suis pas experte là-dedans, donc je sais pas s'il existe mieux, s'il y a une meilleure technique, mais en tout cas, ça sentait un petit peu le washing là-dedans, quoi. Disant oui, on fait du bio, éthique, durable, etc. Et tout est recyclable, mais en fait, c'est du plastique quand même, quoi. J'avais un jeu de mots un peu con avec opacity pour mettre en avant de la transparence. donc pour HelloFresh, ils ont beaucoup de trucs de recettes, plus des offres d'entrée où la box est quasi gratuite, donc quasi un lead magnet physique en mode échantillon finalement. Oui, ouais, c'est vrai. Et justement, si tu veux, si je sais pas, je les connais pas exactement, mais s'ils ont des recettes à télécharger, des e-books et des choses comme ça, bah là justement, on aurait effectivement cet entonnoir. Ou au début, tu t'engages pas trop avec juste un document à télécharger ou une petite action, mais tu vois, pas trop engageante. Et après, tu as quelque chose d'un peu plus engageant au fur et à mesure que tu avances dans ton funnel de conversion avec un échantillon gratuit. Ou là, j'ai eu la pop-up, vous avez dû l'avoir, d'avoir une réduction sur une box ou que sais-je. Effectivement, c'est une bonne idée. Voilà, ils le mettent même en avant dès le début. Après, pourquoi est-ce qu'aussi on propose ce genre de choses? C'est pour justement améliorer le taux de transformation et être sûr que les personnes, on va proposer la bonne offre, entre guillemets, au bon moment. Parce que si j'arrivais dès le début à une personne que je rencontre et je fais « Hello, je suis Alex, je suis consultante en web marketing et j'ai des formations en ligne. Tu veux une promotion pour ma formation en ligne ?» Bah, ça marcherait peut-être un peu moins bien que si je dis « Salut, je suis Alex, voilà ce que je fais. Tiens, regarde, tu devrais faire ci ou... » lui donner, moi les lead magnets que j'ai, c'est quoi? C'est quoi mes lead magnets? J'ai une checklist pour le SEO, donc c'est un document à télécharger avec plein de conseils pour le SEO. J'ai Matomo, un tutoriel d'installation de Matomo, qui est un bout de la formation avec un document à télécharger, et derrière tu peux faire ton installation de Matomo. Mais c'est pas des choses engageantes, c'est pas directement on va passer 30 minutes par exemple en live, en permanence communication pour résoudre tes problèmes, pour résoudre tes problématiques. Voilà, on a cette espèce d'étape de graduellement aller vers du plus en plus engageant, etc., jusqu'à après faire un appel ou des choses comme ça. Mais du coup, en général, les offres, soit les journées d'essai gratuites, les portes ouvertes, ou les offres, là, comme on a vu avec... attendez, je vais remettre ma scène parce que je sais pas ce que je vous montre. Oui, c'est bon. Avec les réductions, ça, c'est en général des choses qu'on va avoir à la fin. Donc la personne nous connaît, elle sait ce qu'on vaut, et du coup elle est plus prête à passer à l'acte, donc on l'incite à l'achat avec des réductions
ou des tests, des démos, des choses comme ça. D'ailleurs, les pop-ups, on est d'accord que c'est chiant. J'ose pas trop en mettre. Alors, je suis bien d'accord avec toi. Les pop-ups, c'est chiant, mais c'est efficace. C'est très triste à dire, mais malheureusement, c'est efficace. C'est un peu le problème. C'est que, bon, pas la directe quand j'arrive sur la page, ça c'est chiant, mais je pense qu'ils ont affiché la pop-up parce que j'étais en train de quitter la page. Parce que ça, c'est possible ils détectent que ta souris commence à aller sur ton navigateur. Donc là, vous le voyez, elle est sur le navigateur. Et à ce moment-là, j'ai la pop-up qui arrive. Mais après, c'est pas obligatoire. Les pop-up, vous pouvez. Enfin voilà, c'est vraiment pas obligatoire. Là, vous voyez, d'ailleurs, ils l'ont mis en haut dans le bandeau. Moi, je crois qu'on a un truc. Enfin, c'est pas je crois d'ailleurs, c'est sur la page d'accueil directement, on l'a ici. Donc vous avez ici les informations. Enfin, bon, après, c'est pas un lead magnet parce que ça, c'est pour s'inscrire à la newsletter générale. Donc c'est pas un lead magnet, vraiment. Mais c'est possible d'avoir le formulaire directement ici. Et d'ailleurs, Elvire, je te recommande, j'ai pas regardé sur ton site et j'ai vu mon ordi. Je sais pas si je vais essayer d'ouvrir ton site parce qu'il doit y avoir beaucoup de photos de vidéos dessus. Donc mon ordi va laguer. Mais ça peut être intéressant de mettre directement sur ta page d'accueil, pardon, un formulaire pour aller directement vers ton lead magnet. Alors, soit un formulaire pour télécharger directement le lead magnet, soit un lien pour aller vers la landing page que tu as faite et que tu vas retravailler pour découvrir ce lead magnet. Ça peut être intéressant, ça. D'ailleurs, on n'a pas parlé des partenariats, mais ça peut être aussi une très très bonne idée, hein. Si tu arrives à. Je sais j'avais rencontré une blogueuse mariage, alors très très large, hein, elle couvrait vraiment tous les sujets sur Lyon du mariage. Alors je sais pas s'il y avait ça m'intéresse pas trop cet univers-là, je t'avoue, donc j'ai pas de grosses connaissances là-dedans. Peut-être qu'elle avait une niche spécifique, mais c'est possible, voilà, de faire des partenariats avec ces personnes-là. Soit leur proposer du troc, de l'échange de services avec des photos pour leur site, soit ou des photos de l'entreprise ou vidéos pour l'entreprise. Et en échange, elle parle du lead magnet ou elle le place dans un lien. Ou si juste tout simplement, enfin voilà, vous avez une relation où vous entendez bien, ça peut être aussi juste de l'échange de liens ou juste de l'échange tout court sans forcément rien en attendre en retour. Pour les pop-up, d'autant que comme j'ai plusieurs cibles, je trouve ça délicat de risquer d'envoyer une pop-up qui correspond pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça. En plus, c'est dommage de faire des landing pages spécialisées par public. Les landing pages, je sais pas si je les définis, mais c'est le fait d'avoir une page d'atterrissage. Donc en fait, c'est la page qu'on va mettre en avant en fonction de notre public. Donc c'est juste le terme anglais, parce que de toute façon, on fait du web marketing, donc il y a de toute façon de l'anglais partout. J'essaierai peut-être dans les tests futurs pour améliorer mon lead magnet, si je peux le mettre en avant en pop-up de fermeture sur des pages précises ou articles précis. Ouais, je la connais, je pense, mais pas trop la plupart des moments. Il y a souvent pas beaucoup de respect pour les photographes. Ah, ça, malheureusement. Et puis, je pense que ça doit être de moins en moins facile aussi avec des gens qui peut-être se croient peut-être un peu plus avoir les compétences de le faire elles-mêmes, etc. Et pas forcément se rendre compte que c'est un métier en fait. Mais bon. Mais du coup, ouais, pour les pop-up, ma foi, avec modération. Je pense que ça va être ça le maître mot, modération. Je sais que sur mon site, j'ai un problème avec ça justement parce que donc j'utilise ConvertKit comme outil de mailing. Donc j'en ai déjà parlé dans les formations ou dans les vidéos YouTube. Et je sais qu'il y a un plugin WordPress qui permet d'afficher des pop-up, mais je crois que il n'a jamais bien marché et qu'il m'affiche des pop-up n'importe quand alors que je lui ai pas dit de le faire. Enfin, mais bon. Mon site, c'est tout un programme. Faudrait que je le refasse. Et d'ailleurs, je pense que annonce comme ça, hein, pas prévu, mais on le fait quand même. Je pense que je vais faire une formation sur WordPress, justement. Donc, apprendre à créer son site WordPress. Et que du coup, pourquoi je fais ça? Parce que du coup, je vais pouvoir refaire mon site WordPress en même temps. Recyclage de contenu jusqu'au bout. On recycle, on fait de la stratégie jusqu'au bout. C'est que comme ça, je travaille sur mon site en direct. Pour refaire mon site WordPress parce qu'il est absolument pas éco-conçu. En termes d'accessibilité, je pense que ça va, mais l'éco-conception du site est nulle, inexistante, et j'en peux plus. Juste, je n'en peux plus de ce site ultra lourd, vraiment voilà, pas adapté. Donc je me servirai de la création de mon site pour faire la formation en même temps. Je pense que ça peut être assez intéressant. Comme ça, je vous montre en fait en direct comment je fais un site WordPress, si possible,
pense qu'il faudra quand même que je passe par la partie cahier des charges justement pour parler, parce que c'est une partie qui est quand même assez mise de côté, le fait de réfléchir et bien réfléchir en amont à comment est-ce que je vais faire mon site pour que derrière on se tire pas une balle dans le pied. Parce que ça c'est le plus gros problème que je vois après quand je récupère des sites à faire ou à optimiser, hein, que ce soit en termes SEO, inbound ou parcours utilisatrice. Il y a quand même un certain nombre de choses à laquelle il faut penser, ou même éco-conception. Hein, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir dès le début, en amont. Je pense que ça pourrait être intéressant, ça. Peut-être même que je pourrais le faire en live, en direct. Ça vous intéresserait ? On pourrait peut-être faire ça. Bon, à réfléchir. Je réfléchis en même temps que je parle. Hein, mes propos ne m'engagent à rien. ne me redonnez pas ça après, plus tard, en disant « Mais t'avais dit !» Je réfléchis en même temps. Avec un cocon sémantique. Go. Oui, le cocon sémantique en SEO, effectivement, c'est bien d'y penser avant de faire son site, parce qu'une fois que c'est fait, après... surtout si vous passez du temps et ou de l'argent à créer votre site internet, c'est quand même mieux d'avoir passé un petit peu de temps avant sur ces choses-là, au lieu de passer le triple de temps derrière à devoir tout réparer et tout remettre en ordre, parce qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, que vous n'avez pas pris en compte. Je pense que c'est ça les quatre choses à prendre en compte avant de faire son site. Ça devrait être ça, c'est la partie SEO, hein, forcément, parce que si on fait un site, faut qu'il serve à quelque chose. La partie inbound, donc création de contenu, comment est-ce que je vais organiser mes contenus, le parcours utilisatrice, les lead magnets, toutes ces choses-là, comment les présenter et comment mettre en avant le parcours sur mon site, concrètement. La partie éco-conception, parce qu'un site internet, ça consomme de l'énergie. Et il faut faire attention. Typiquement, je pense qu'il y a une vraie problématique quand on est par exemple photographe vidéaste à comment est-ce que j'affiche peu d'images sur ma page, mais que je mets quand même en avant mon travail ou des images optimisées. Ça, j'ai une vidéo YouTube d'ailleurs sur comment j'optimise mes images, si ça vous intéresse. Avec d'ailleurs, vous devriez regarder dans les commentaires. Si vous allez voir la vidéo et que ça vous intéresse, dans les commentaires de la vidéo, il y a des personnes qui ont rajouté des conseils, donc c'est top. Merci, merci à ces personnes-là, et merci à vous, bien entendu. Donc je disais éco-conception, et la quatrième chose, qu'est-ce que j'avais en tête ? Accessibilité. Donc l'accessibilité des personnes, parce que de toute façon, éco-conception, accessibilité, en général, ça va quand même souvent... ça va pas souvent de pair, mais il y a quand même des choses en commun qu'on va retrouver. Et puis, de toute façon, c'est ce qui va permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à votre site, en fait. Et que, par exemple, si une personne est en live sur son vieil ordinateur et qu'elle veut ouvrir votre site internet, et c'est ce qui lui permettra de pouvoir ouvrir facilement votre site internet si votre site est éco-conçu. Tu peux compter sur moi pour venir fangirler sur de futurs lives. Ah, oh, merci Elvire. Même si, a priori, ça ne sera pas forcément très utile comme thématique. On verra, là, le bonne idée pour WordPress. Hello Céline, au fait, j'en profite. Why not ? J'y avais pas pensé, je vous avoue que je m'étais pas levée ce matin avec ça en tête, mais pourquoi pas ? Ça pourrait être super intéressant. À voir si... après, je pense que c'est ça l'avantage des lives, c'est que souvent ça part un petit peu dans tous les sens, donc on peut parler d'un sujet et puis ça nous amène à un autre sujet. Si vous avez de toute façon d'autres questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à les partager. Sur le moment, ça peut toujours nous amener quelque part, et puis même avec les autres personnes dans le chat, en fait. Ça peut être aussi source d'inspiration, de conseils, d'autres choses, d'avoir une vue différente. Donc je pense que c'est l'avantage des lives, et que du coup peut-être qu'il y aurait bien intérêt à faire, des lives WordPress où je refais mon site, et en même temps ça pourrait servir après pour une formation spéciale WordPress. Parce que vraiment WordPress c'est pas si compliqué que ça, je vous le jure, je l'ai appris, c'est que c'est pas si difficile. Après, des sites en web app devraient pouvoir... être plus simple pour tous les ordis, non ? Alexandre, qui est en formation développement web, tu pourras participer à un live pour nous parler des sites web app. Moi, je me base quand même plutôt sur... attendez, je vais changer le... Je vais changer la cam, et comme ça, je vais pouvoir fermer les onglets et limiter la surchauffe de mon ordinateur. Hop là.
Je pars quand même plutôt d'office sur des WordPress parce que, en fait, pour des facilités, après, pour de maintenance et de mise à jour pour ma clientèle. Parce que, comme on en parlait tout à l'heure avec Jérôme, je crois, il me semble, hein, mais 30% du web à l'heure actuelle est sur WordPress, même un peu plus, j'ai pas mis à jour ce chiffre-là dernièrement, mais il me semble que c'est genre 32% du Internet mondial est fait sur WordPress, et c'est sa force en fait. C'est ce qui fait sa force, c'est que du coup, bah, y a une énorme communauté ultra active. Donc, si vous avez des problèmes, vous avez des forums, vous avez des blogs, vous avez plein de personnes adorables. Vraiment, la communauté WordPress, pour le coup, elle est vraiment adorable et tolérante et bienveillante, ce que vous voulez. Bon, y a des gens stupides partout, hein, mais en tout cas, il y a aussi beaucoup de gens très très bien. Et qui sont là pour vous aider si vous avez des questions, etc. Et y a aussi énormément de ressources disponibles en ligne. Et puis, dès que vous allez vous chercher quelque chose, il y a quand même souvent moyen que vous trouviez votre solution. Ou même si vous avez besoin de faire du développement sur mesure derrière, bah du coup, c'est assez simple, entre guillemets, de trouver une ou un développeur pour derrière faire votre solution sur mesure si vous avez besoin. Donc, c'est quand même pour ça que j'ai plus tendance à recommander du WordPress, parce que bah, du coup, je sais que ça marche. Je sais que c'est pas, on peut potentiellement faire quelque chose d'éco-conçu avec. Si la personne, je sais que si je mets ça dans les mains de la clientèle après, elle pourra s'en sortir. Parce que, bah, soit, enfin, pour plus tard, hein, j'entends, parce que de toute façon, moi, quand je fais un site, derrière, il y a une partie formation, bien entendu, mais donc de prise en main, etc. Mais même si plus tard, elle veut, je sais pas, faire de la passation de connaissances ou des choses comme ça, elle aura pas de difficulté à trouver ce qu'elle veut, quoi. Donc, c'est vraiment une force là-dessus. C'est pour ça que j'ai plus tendance à recommander WordPress, j'avoue. Chaud, chaud pour le live. Et une formation sur créer un bon contenu avec ChatGPT. Et moi, je me suis posé la question. Je me suis posé la question. WordPress, c'est très bien et très user-friendly. Ouais, bah, c'est pour ça en fait. Mais du coup, ChatGPT, est-ce que. Tiens, les personnes qui sont dans le chat, est-ce que ChatGPT, vous l'utilisez au quotidien? Pour vous? Enfin, pour vous ou votre clientèle, hein, bien entendu. Parce que j'ai un avis très partagé sur ChatGPT. Je ne sais pas trop comment me positionner dessus. Parce que, enfin, c'est comme tout, hein, et c'est comme le marketing, c'est un outil. Donc on peut en faire des choses bien comme on peut en faire des choses nulles. C'est un peu tout le problème. Mais il y a aussi le fait que c'est un outil qui est très puissant, oui, mais qui est biaisé. Parce que du coup, bah, ça a été développé par des personnes, des hommes blancs valides, cis, ce genre, etc. Donc forcément, comme les algorithmes, hein, comme tous les algorithmes, parce qu'on est dans la tech, donc forcément c'est biaisé. Il n'y a pas tout qui va être pris en compte correctement, ça va renforcer certains stéréotypes, etc. Et puis il y a la notion aussi d'écologie environnementale, parce que bah, du coup c'est des serveurs qui tournent, c'est des requêtes envoyées, etc. Et du coup, je ne sais pas si j'ai envie d'inciter cet usage, et pour autant c'est ce qui permettrait aussi de développer des initiatives chouettes et qui pourrait aider des personnes bah, à travailler sur des projets à impact positif. Donc je suis un peu comme. Je sais pas. Je pense que c'est un outil chouette, hein. Personnellement, je m'en sers, pour être tout à fait franche et honnête. Je m'en sers. Est-ce que je m'en sers au quotidien? Ouais, je pense quasi au quotidien. Non, peut-être pas au quotidien. Mais au moins 2 fois par semaine, je pense, pour du pro ou du perso, hein, que ce soit des idées de recettes VG ou rédiger un message, parce que j'ai de l'anxiété sociale et je ne sais pas répondre aux messages, ça peut tout à fait servir, ou aider à brainstormer. Après, c'est pas ce qui va vous rédiger une suite d'emails parfaite ou des choses comme ça, mais je trouve que pour brainstormer, sur le côté pro, pour tout ce qui est brainstorm, donc recherche d'idées, génération d'idées, par exemple, si je prends, on va dire, je vais vous donner un exemple tout simple, mais si je prends cette vidéo qui sera probablement en replay, bah, pour m'aider à trouver des idées de titres, bah, je vais pouvoir lui dire, donne-moi une liste de X, enfin de reformulation de ce titre, et je lui mets le titre, et puis du coup, ça fuse comme ça permet de donner, ah ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à cet axe-là, ah, ça me fait penser que peut-être je pourrais mettre cette accroche-là, enfin voilà. On a un grand oui de Alexandre pour l'utilisation, Vincent aussi qui l'utilise. Moi, j'ai un peu peur d'utiliser ChatGPT pour créer du contenu mis en ligne, je suis d'accord, mais je pense qu'en fait, c'est, comme je disais, c'est bien pour la génération d'idées. Mais pas, ça, je ne pense pas, enfin du moins pas à l'heure actuelle, pas dans son état actuel. C'est pas un truc qui va te générer un contenu que tu copies-colles après et tout est bon. Je pense que encore à l'heure actuelle, de toute façon, il faut repasser derrière.
Ne serait-ce en fait que pour mettre ta patte en fait, parce que bah créer du contenu, oui. Si c'est pour faire un contenu pour comme des vieux SEO tout pourris qui vont te faire du duplicate content ou de la traduction automatique, enfin, il n'y a pas d'intérêt. Puis Google, il va le sentir, je pense. Enfin, Google et autres moteurs de recherche. Florence, non, je ne sais pas comment l'utiliser. Ça aussi, il y a pas mal de contenu en ligne. Après, il y a un peu de tout. Je pense que l'essence, ça va être surtout le prompting, en fait. C'est comment... Prompt engineering, je crois que ça s'appelle, la compétence pour trouver les bons prompts. C'est tout autour de ça. Hein. C'est, tu trouves un bon prompt ou comment faire générer un bon prompt à ChatGPT. Donc c'est ChatGPT qui te génère ton prompt. On est à ce niveau-là. Et derrière, donc un prompt, c'est comment on pourrait dire ça ? C'est un énoncé que tu donnes à ChatGPT pour que derrière, il fasse l'action en question. Donc tu peux demander à ChatGPT de t'aider à écrire un bon prompt pour ensuite le redonner à ChatGPT pour qu'il te donne un contenu de meilleure qualité parce qu'il aura toutes les informations qu'il lui faut de base. Ça peut m'arriver parfois de l'utiliser pour brainstormer sur un sujet, mais je fais rien de plus avec. Je t'avoue que c'est un peu ce que je fais aussi. Sur le pro en tout cas, parce que sur le perso, bon, c'est des trucs triviaux, pas très importants. Hein, des recettes VG, bon, voilà. Ça va être assez limité, quoi. Mais je pense que, ouais, ça peut être un outil très puissant, mais voilà. Juste maintenant, je l'ai en local sur mon ordi pour avoir que mes ressources et avoir des résultats plus précis. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, ça. Faudrait que je m'y intéresse parce que bah, du coup, j'ai pas creusé le sujet plus que ça. J'ai pas une énorme connaissance encore là-dedans. Je sais pas si j'ai intérêt à. Enfin, si j'ai un intérêt vraiment poussé à réfléchir. Ok, tu n'aimes pas. Non, c'est pas que j'aime pas. C'est que j'ai. Je sais pas. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est un bon outil. Après, à faire attention à certaines choses, à l'avoir en tête que voilà, c'est biaisé. Il faudra probablement repasser derrière pour l'adapter. Enfin, voilà. La vraie question, est-ce que tu dis s'il te plaît à ChatGPT ? Je sais pas. À Siri, en tout cas. J'espère qu'elle va pas s'activer. Non, c'est bon. Tout ce qui est assistant vocaux, je dis merci à chaque fois, mais par réflexe. Et je vous conseille de le faire, on sait jamais. Parce que moi, clairement, oui, et ça me fait marrer à chaque fois. Bon, au moins, WordPress, on n'a pas trop besoin de dire merci. Donc, c'est déjà ça. Je vais regarder si on a Anne qui est passée entre-temps. Non, pas de signe de Anne. Bon, tant pis. On a quand même 2 personnes sur 3 qui sont venues. Donc, je pense qu'on est... Un bon ratio. On n'a pas été complètement à la ramasse. Tac. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez envie de papoter d'autres choses ? Ou est-ce que vous voulez aller manger ? C'est possible aussi, parce que... Autant la dernière fois, on a beaucoup dépassé, autant là, je me suis dit, ok, une heure, ça va pas être possible. Et au final, on a bien fait, parce que même sans Anne, on a quand même papoté de choses très intéressantes. Mais il faut que je note de regarder pour cette histoire de formation en live sur WordPress. Bonne idée. Vous avez une bonne idée, le chat. Vous êtes bon, le chat. Moi, je serais pas contente d'aller manger. Mais en même temps, t'as beaucoup travaillé. Elvire, t'étais là depuis le début... On a travaillé là maintenant, tu as une liste comme ça pour cet après-midi de choses à faire, donc je pense que... Oui, t'inquiète pas, je le prends pas mal. Tu as le droit d'avoir envie d'aller manger, etc. Mais je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus, hein, de toute façon. Puis, de toute façon, écoutez, les lives, c'est plutôt cool. Ça a l'air de vous plaire. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup de pouvoir échanger pour de vrai, en direct avec vous, parce que c'est vraiment pas... C'est vraiment pas la même relation qu'on peut avoir après. Bon, déjà sur les réseaux sociaux, je réponds très très peu parce que bah, c'est pas ma manière de fonctionner, je veux dire personnellement. Et puis les emails, bon, il y a quand même voilà, y a un peu cette barrière. Et là, je trouve ça vraiment beaucoup plus chouette. Donc
Donc il y aura des lives, des nouveaux lives. Il y en a au moins un le 31 mai. Donc c'est la prochaine permanence communication. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, tout ça, là, tous ces trucs-là. Mais l'intérêt de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est que du coup, vous pourrez voir les prochains lives. Si vous vous inscrivez à ma newsletter aussi, vous pourrez voir les prochains lives, parce qu'en général, je fais des annonces, etc. Et donc, le 31 mai, je pense qu'on en fera un, 11h, midi et demi, pareil. Probablement une perme communication, encore une fois, ou pas. On verra. On est dans les tests, et peut-être que d'ici là, entre-temps, il y aura des lives WordPress, hein. Écoutez, pourquoi pas? Soyons fous, hein. Je veux dire, à réfléchir, on verra. Et puis voilà, écoutez, abonnez-vous. Merci d'avoir été là. Ah, les formations. Merci Vincent, tu me fais penser que... Il y a une promotion sur ma formation Inbound Marketing pour fêter la sortie, donc l'anniversaire. Merci Vincent. Pour fêter l'anniversaire de ma formation en ligne. La sortie de ma formation en ligne. Je vous mettrai le lien dans le chat quand je finirai, parce que sinon mon ordinateur, je sens qu'il est pas très très bien là. Donc voilà, si vous voulez apprendre à faire votre stratégie de contenu de A à Z, c'est une formation super chouette qui dure 6 heures, parce que j'ai mis tout ce que je savais dedans. Comment est-ce que je fais de la prospection passive, entre guillemets, comment est-ce que j'attire de la clientèle naturellement et durablement sur le long terme, c'est ça qui est important. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, faites-moi un petit message, un commentaire, où je mettrai le lien dans le chat. Et puis si vous êtes dans la newsletter, de toute façon, vous aurez les infos. Et puis, on a le droit de s'inscrire à plusieurs permanences ou pas? Écoute, why not? On verra. Enfin, là, j'ai eu une dizaine d'inscriptions, il me semble, hier. Les personnes ont décidé de s'inscrire toutes. Enfin, en tout cas, c'est comme les promotions. C'est à la dernière minute que tout d'un coup, il y a eu tout le monde qui s'est inscrit. Donc, je vais déjà contacter ces personnes-là et voir comment ça se passe. Si on fait un thème, parce que là, du coup, on a eu quand même un fil conducteur sur l'inbound marketing. J'ai eu pas mal de questions pour les pros de la communication. Les pros qui communiquent sur comment lancer son activité, travailler son SEO, etc. J'ai une personne aussi qui était chaude pour co-animer, donc Christelle Paco, qui était chaude pour co-animer un live sur le SEO. Why not? À voir. C'est toute une... plein d'opportunités. Mais vous inquiétez pas, on fera pas ça toutes les semaines non plus, parce qu'il faut quand même travailler de temps en temps. On a le droit de s'inscrire à... Oui, donc ça, je la recommande très fort. Merci. Elvire approuve de la formation Inbound Marketing. Je l'ai déjà, tu l'as mis à jour récemment, et je crois que je l'ai déjà sur Udemy, il me semble. Est-ce que je l'ai mis à jour récemment? Je ne sais pas. Je t'avoue que j'étais tellement focus dernièrement sur le... Il me semble que oui, j'ai fait plusieurs ajouts. Peut-être dans les Google Docs, comme parlait Elvire, pour... faciliter la mise à jour, et que ce soit surtout sur toutes les plateformes le plus rapidement possible. Mais j'ai fait aussi des mises à jour sur la plateforme, donc sur ma plateforme à moi. Il y a eu une mise à jour, mais je me souviens, je me revois le faire, mais alors je saurais pas te dire la leçon. De toute façon, vous y avez accès à vie, donc tu pourras retrouver sans problème. Et je ferai un message, je pense, pour récap tout ça. Je pourrais t'inviter un jour en guest sur ma chaîne Twitch aussi. Avec plaisir. Avec grand plaisir. De toute façon, maintenant, tu as mon mail. Donc, Elvire, tu me fais un mail et puis on pourra en discuter avec grand plaisir. Quand je serai installée, parce que du coup, je voyage beaucoup. Je pense que... Enfin là, je devrais être fixe à un endroit prochainement pendant au moins plusieurs mois. Donc ça devrait être beaucoup plus simple pour moi en termes de m'assurer que la connexion Internet est bonne, etc. Donc, avec plaisir, tu me fais un mail et puis on se tient au courant. Et puis, du coup, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que vous aurez eu des petits conseils à prendre, des petites astuces, de l'inspiration, enfin voilà, toutes ces choses-là. Merci beaucoup d'avoir été là, merci aux gens qui regarderont le replay. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, et puis tout ça, et puis on se tient au courant, et puis on se revoit très bientôt. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Bye bye.